Yo, bien le bonjour, bonsoir, c'est Traclass et bienvenue dans ce nouvel épisode sur Zelda Tears of the Kingdom. Alors, épisode un petit peu spécial parce que c'est le premier épisode où vous me voyez en face cam, enfin, c'était pas trop tôt. On a investi un petit peu, alors c'est pas encore tout à fait parfait, hein. Vous pouvez peut-être voir un petit peu des imperfections dans l'incrustation sur le fond vert, mais pour l'instant, c'est le meilleur que je peux vous proposer. En tout cas, sans plus tarder, on va continuer. On s'était arrêté juste là dans le sanctuaire. Il fallait que j'ouvre les différents verrous. Donc voilà, on va essayer de faire ça aujourd'hui. Normalement, ça devrait bien se passer. Juste à titre informatif. Je regarde. Qu'est-ce que j'ai fait déjà? J'étais allé chercher celle-là. Et là, je me retrouve donc sur cette rail-là. Ouais, je crois. Je n'ai aucune idée de où ça va m'emmener. Bon, vous savez quoi? On y va au talent, nous. Voilà, bim. Je pense qu'il faut que je tourne. Donc, on va faire ça. Ah, je suis trop loin. Bon, hop, avançons. Préparons notre petite flèche. Ouais, ou toi aussi, j'avais oublié, toi. Voilà, et on part de ce côté. On va bien voir ce que ça fait. Là, il y a des méchants. Blichy! Ah! Ah, mais en plus, c'était juste là que ça s'arrête. Ok, parfait. Alors, attends, je suis pas chaud. Je suis pas chaud. Lance fracassante, ça a fracassé, ça? Oui, si c'est bon, ça fracasse. Ok, bon, ouf, j'en suis sorti. Pour l'instant, ça va. Où suis-je? Où suis-je? Que fais-je? Ah, donc si je fais ça, ça va me rendre ici. J'ai pas franchement envie d'aller là. Il y a rien d'intéressant là. Bon, vous savez quoi? On va y aller pour voir, par curiosité. Et la barrière s'ouvre. Ok, nickel. On va y aller. Hein. De toute manière, il va falloir que je visite un peu histoire de comprendre un peu comment tout marche le sanctuaire, parce que pour l'instant, je suis un petit peu paumé. Donc voilà. Alors là, déjà, il y a un ennemi. On va lui casser la bouche. Yo yo, on s'en va. Kill. Voilà, comme ça qu'on fait en fait. Alors ici, il y a l'air d'avoir rien qu'un coffre. Bon, espérons au moins que la récompense soit à la hauteur. On va voir. Flèche de bois. Bon, ça fait plaisir. Hein. C'est toujours que ça te prie. Hein. Ça fait plaisir. Hellebarde rouillée, ça pue ça. Ok. Bon, bah ok. Pourquoi pas. Du coup, c'est nul. Du coup, je suis bel et bien venu là pour rien. En tout cas, c'est pas là où je devais me rendre, malheureusement. Donc, hop, 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 non. J'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi. Alors, allez, fais demi-tour, s'il te plaît. Il va falloir que j'aille jusqu'au bout. Bon, en tout cas, heureusement qu'il y a plein de chariots déjà de préparer, hein, parce que sinon, j'allais galérer un peu. Bon. Il va falloir que je fasse ça et que je me rende de l'autre côté. Tac, on va y retourner, hein, parce que je me suis loupé parce que je suis nul au jeu. Mais à part ça, tout va bien. Alors attendez, parce que j'ai pas envie qu'elle m'emmène à l'autre bout du monde. Hop, allez, je saute ici, je te récupère toi. Pourquoi l'autre est venu avec moi? C'est une dinguerie ça. J'ai rien demandé moi. Et là, du coup, je me retrouve ici. Ici, qu'est-ce que ça donne? Ici, je devrais pouvoir arriver là, au troisième. Non, au premier étage, et du coup, choper celui-là. Et là, si je monte en plus au troisième, il y en a un autre ici, et l'autre là, c'est au quatrième. Et j'ai l'impression d'être sur la bonne route. Ah, il y en a un autre là. On verra bien. Pour l'instant, je suis un peu paumé. Hop, on va poser ça là. Vas-y. Nickel chrome, hop. Si je fais ça, ça redescend, ok. C'est ce que j'avais dans ma mémoire qui est dans ma tête. Jusque là, tout va bien. On va, bim, faire comme ça. Et on avance. Et on va être Keblo juste là. Pour l'instant, ça me va. J'ai l'impression que je vais avoir besoin de Jean-Michel Yunobo pour casser ce caillou là, ce petit caillou là. Mais en fait j'ai même pas besoin de le casser le caillou vu que j'ai un extincteur là, un arrosoir.
ça arrose tout seul. Ah bah ça fait plaisir. Ah mais en fait je suis trop bête. On va faire ça plus intelligemment les amis. C'est quand même con d'être aussi bête. Voilà. Voilà. J'ai fait me casser la gueule. Ok, en plus ça me fait du coup un petit... Bon, en tout cas parfait. Pour l'instant ça va, je m'en sors. J'ai pas tellement... On va plus abîmer celle-là. Pour les ennemis que je peux tuer. Sans... Oh là là, ce qu'il a pris lui. Pour lolo. Ah, j'aurais pas aimé à sa place. J'aurais pas aimé du tout. J'ai eu une belle truc de sonium. Là, j'ai mon deuxième gong. Et ça fait que déjà, on a au moins déjà deux gongs. Donc il va nous en rester plus que trois. Ça fait plaisir. Oui, bah c'est ce que je viens de dire. Bah oui. Mais c'est ce que je viens de dire. Alors tu me coupes pas la parole comme ça, je t'en supplie en fait. Moi, mon objectif, c'est de monter au quatrième. Parce que... Non, au quatrième, avec celui-là. Il y en a un autre ici au troisième. Oh là là, je suis paumé. Ça y est, ça commence, je suis paumé. Ça y est. Pourquoi ça me dit que... C'est juste pour me montrer que c'est le troisième? Je comprends pas tout, attendez. Il est censé avoir un truc là. Il y a un truc là comment? Je peux pas la drainer la lave là? Ou la stopper, j'en sais rien. Là, je peux juste retourner en arrière ici. Ce qui n'est pas très intéressant. Et là, je peux me diriger par là. Bon, vous savez quoi? On va se diriger par là-bas. On va voir ce qu'il y a. Si se trouve, il y a un bouton ou je ne sais quoi qui va me drainer la lave ou j'en sais rien. Dans tous les cas, on va y aller et on va... Ah mais non, je sais comment monter au quatrième étage. Bon. On retournera là-bas après. Je vais déjà monter au quatrième, du coup. Parce que du coup, j'ai pigé comment monter au quatrième. Je vais réussir à tirer dessus de là. J'espère que oui. J'en suis pas certain, mais j'espère que oui. Alors, attendez. Y'a. Bim. Voilà, je suis trop fort au jeu, en fait. Parfait. Ça fait plaisir. Hop. Et maintenant, on monte au quatrième. C'est parti. Super. C'est super. Je suis au quatrième étage. Alors, qu'est-ce que... Hein? Ah non, je suis au deuxième. Ah, mais j'étais qu'au premier. Oh, par contre, là, j'ai plusieurs destinations proposées. J'ai l'impression que le deuxième, c'est un peu un carrefour. Hein. Qu'à partir de là, je vais pouvoir me rendre un peu de partout où je veux. Tiens, prends ça, toi. Prends pas ça. Attends, parce qu'en plus, je vois que tu prends du feu. Fais gaffe, parce que le feu, ça brûle. Alors, fais pas ce genre de choses. Non, mais... Tiens, bouffe. Voilà. Je récupère les propulseurs. Je récupère tout. Voilà. Ah, ça fait plaisir. Pourquoi est-ce que je peux faire plein d'arrosoirs, de trucs bidules? C'est quoi, ça? Ça fait quoi, ça? Ça me permet de descendre. Ouais. Et ça descend où? Ah, du coup, c'est, je l'ai activé, je peux monter, descendre. Est-ce que c'est une espèce de checkpoint? On va voir. Allez, descends. Descends, s'il te plaise. Où est-ce que ça m'emmène? Temple du feu, rez-de-chaussée. Ah, bah ça me ramène au début. En face de la porte. Parfait. On va reprendre notre ascenseur, on va remonter au deuxième. Et après, je n'ai aucune idée de où on va partir, mais on va partir. Ok. Et ça, c'est le principal d'abord. Si je prends celle-là, peut-être ça m'amènera là-bas. Qu'est-ce que je peux faire avec celle-là? Si, ça me permettrait de monter au troisième. Hein?
Bon. Vous savez quoi? Hein, dans la vie, il faut se lancer. Donc, on se lance et on verra bien ce qui se passe. Je vais bien comprendre au fur et à mesure. Ça, ça se tourne. Attendez, ça, ça pouvait se tourner, j'ai vu. Tac. Hein, plus haut. Tac. Ah, ça me permet de tourner. Et ça m'aurait permis, du coup, de passer là. Mais à partir de celui-là, qui va faire... Et si je prends celui-là, il m'emmène là. Et là, ça me dit qu'il y a quelque chose, mais au rez-de-chaussée. Bon, on va prendre le suivant. On va prendre le suivant là. On va voir ce qu'il est possible de faire. Tac, tac. On va y aller à tâtons. De toute façon, on va bien finir par trouver ce qu'il nous faut. Ah, ici, je peux casser un rocher. Intéressant. Et ça m'a ouvert ça. Là, il n'y a rien du tout. Pour commencer, il n'y a rien du tout. Ça, ça fait pas plaisir. Par contre, si on part par là, ça, ça sert à rien. Ça sert à rien, autant qu'il soit ouvert. Hein. Et ça me ramène juste au middle. Mais par contre, si je prends là, du coup, je peux aller là où j'ai tourné le truc tout à l'heure. On va voir. Monte, Link. Mais Link, s'il te plaît, Link, tu rentres dans le chariot. Voilà. Ça fait plaisir. Alors, maintenant qu'il est dans le chariot, ici, il y a juste un coffre. C'est bien, mais c'est nul. Espérons que c'est pas 10 flèches encore. Ah! Un peu plus, mais bien plus quand même. En fait, ouais, je devrais partir par là-bas, là. Complicado, tout ça, hein. Je sens qu'aujourd'hui, ça va me prendre la tête, tout ça. D'ailleurs, en parlant de prendre la tête, parce que là, j'ai des... ah oui, d'accord. C'est pour ça que j'ai des roquettes. Parce que, par exemple, si je me mets là avec des roquettes, je pense que j'arrive à passer par au-dessus et du coup, me rendre là. Mais si je prends celui-là... Ah oui, non, d'accord, je crois que j'ai compris. Combien de roquettes je lui mets, à votre avis? Peut-être deux roquettes. Je sais pas, je pense que ça devrait suffire, deux roquettes. Le saut est pas bien loin. J'espère que j'aurai assez de vitesse. On verra bien. On va mettre des roquettes là, comme ça, là. Tac, double roquette. Ensuite, on prend un petit ventilo. Voilà, on va essayer comme ça. On va voir comment ça se passe. En espérant que ça se passe bien. Hop, hop, hop. C'est parti, let's go. Oula, 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 oulala. Ça s'est pas passé comme prévu. Ah, flûte. Flûte, ça s'est pas passé comme prévu, les amis. Non, et... Link, non, non, monte, grimpe, monte, monte, monte. Waouh, j'ai failli mourir de la mort. Ça allait pas être pratique, ça, de mourir de la mort. Oh là là, comment je vais galérer. Comment je refais pour monter, là, maintenant? Bon, me voilà rendu au deuxième étage. Je vais pouvoir refaire mon petit truc de... Je vais essayer de mettre une seule roquette, hein, du coup. Parce que visiblement, deux, c'était trop. Ah, par contre, ça a pas repop, hein, les roquettes, hein, donc... J'espère que... Question me taraude. Est-ce que je mets une roquette et un double ventilo, par exemple? On va essayer. Test numéro 2 de sautage de rail. Attention, c'est parti mon kiki. On colle, hop, cette petite fusée dans le fion du chariot. Et c'est parti mon kiki. Wouhou. Ok. Et bah comme ça, ça s'est plutôt bien passé. Wow.
Tout va bien. Bah non, ça va pas bien. Tu vois bien que je me suis fait casser la bouche. Attends, je vais manger. Je vais manger parce que moi, je me connais, ça a mal se passer encore. Je viens de battre. Oh, comment il t'a cassé la bouche, Yunobo. Tiens. Tu veux quoi? Bouffe. J'ai cassé mon long gourdin. Pute. Eh, mais je vais me retrouver. S'il y a un boss après, je vais pas avoir d'armes, moi. Je pense qu'on va se faire une épée comme ça. Bam! Voilà, ça c'est une bonne petite épée, ça. Ça fait plaisir. Voilà, en plus, ça va faire mal. Ça fait encore plus plaisir. Maintenant, je suis là. Il est censé avoir un truc bidule chouette de bouton quelque part par ici. Je peux faire des choses avec les ponts. Mais il manque des morceaux de pont là. Hein. Et ici là. Là je peux faire ça. Ce qui me permet de remonter. Il est où le gong? Il est censé être là-bas derrière. À mon avis, il faut que j'arrive à me rendre là. Mais j'ai même pas besoin de. Excusez-moi, mais je monte là, j'ai pas besoin de. Bon lui par contre il monte pas, mais moi. Moi je monte moi. Eh, ça sert à rien en fait de venir là. Eh, un double entrelacement de. De chariots. Qu'est-ce que je suis censé faire avec ça? Je sais pas vraiment ce que je suis censé faire avec ça. J'imagine que ça sert à quelque chose, mais je sais pas quoi. Là, si je vais ici... Ah! Si je vais ici, je pourrais monter. Mais les rails, ils sont cassés. Ah, mais je sais, en fait, comment je vais faire. Mais il y a ce caillou, ça m'intrigue quand même. J'aimerais bien le casser. Ok, je l'ai cassé. Il n'y a rien de spécial. Et pour l'instant, je suis monté jusque-là pour rien. Hein. Turbine, ok. Là, il y a un feu. Ce que je vais faire. Est-ce que je peux faire par exemple quelque chose comme ça? Que je vais mettre. Ah non, je l'ai pas mis correctement, attendez. Il faudrait que je le mette de côté comme ça. Comme ça, après toi, je te prends et je te mets. Sur la rail là. Hop là. Hein, mais il faudrait que je mette une turbine là, ouais. Tac, tac, tac. Je sais pas du tout ça a marché. Ça se trouve, je vais rester coincé à un endroit. Mais quoi qu'il en soit, on va essayer ça comme ça. Bim, c'est parti. Comment ça se passe, cette affaire? Ça se passe bien ou ça se passe pas bien? Pour l'instant, ça se passe bien. Ça fait plaisir. Bon, en fait, ça fait plaisir, en fait. C'est bon. Bah, c'est nickel. Je suis toujours au troisième. Bah, alors, ça m'a servi à quoi de venir là? Il y a un méchant là-bas. Ça m'a servi à rien de venir ici. Mais c'est quoi tous ces chemins qui servent à rien? Ça me fait revenir là. Nickel. Bon. Et si je prends celle-ci? Ça me fait redescendre. Redescendre au deuxième. Ah bah oui, c'est pour rentrer, comme j'ai dit la dernière fois. Et ici, en fait, j'ai quelque chose, mais c'est à l'étage supérieur. Comment je peux monter au quatrième? Il n'y a pas l'air d'avoir de rails en plus pour monter au quatrième. Donc il doit y avoir un truc. Il doit y avoir un truc quelque part. Par ici. Et si je le grimpe comme ça, ça grimpe là-dessus? Ouais, ça grimpe. Si je grimpe comme ça, est-ce que ça marche? On va faire preuve de patience.
temple du feu, quatrième étage. Ouais, j'ai bien l'impression que... Je sais pas si c'est la manière officielle, mais en tout cas... on est bien en train de faire comme ça, hein, nous. Hein. Nous, on est bel et bien en train de faire comme ça, les amis. Voilà. Hein. Écoutez. Non. Pourquoi ça marche plus? Non, Link. Pourquoi tu... C'est quoi, ce délire? Ah si, c'est bon, ça monte. C'est bon, j'ai eu peur. J'ai eu peur qu'ils aient mis un mur invisible pour éviter que je passe. Mais en fait, non, c'est bon. Ok, donc je pense qu'il fallait monter comme ça. À ce petit truc. Alors, attendez, on va essayer de casser ça. Parfait. Et après, Yunobo. Voilà. On va prendre, du coup, le prochain gong. Bon. Nickel, il ne reste plus que deux gongs. Ça fait plaisir. Ça fait très bien plaisir. On verra bien comment ça se passe pour la suite. Link, pour l'instant, deux gongs. Il me reste deux gongs. Donc, un au rez-de-chaussée là-bas et un au troisième ici. Il faut que j'arrive à me rendre au troisième. Là, j'ai quoi comme rail? J'ai quoi comme rail qui fait quoi? Celui-là. Il me permet de... Ah! Ah! Attendez, j'ai bien envie d'essayer ça. Bien envie d'essayer ça comme ça. Et on va aller voir ce qu'il y a de l'autre côté. Bon, à mon avis, sûrement pas grand chose. Tandis que moi, j'abîme cette arme depuis tout à l'heure et j'ai pas trop envie en fait. Parce que c'est quand même ma meilleure arme actuellement. Là, ça me permettra de monter. Et après... Ah, bah je crois que j'ai trouvé, non? J'ai pas trouvé? Là, ça fait ça. Ça fait tournicotis, tournicoto. Hop. Pompel up et pompel up height. Et on se retrouve là. Et là, il y a des méchants. Ok. Attends, le méchant! Le méchant! Ouf, heureusement, je me suis protégé. Prends ça! Ok. Le méchant, il m'a cassé la bouche. Enfin, il voulait me casser la bouche, mais il a pas réussi. Parce que je suis trop fort au jeu, en fait. Espadon de sonium. Oh, c'est la première fois que je trouve ça, d'accord. Ah, mais d'accord, ça va être une arme à deux mains, en fait. Quoi qu'il en soit, de toute manière, on a que ce chemin-là. Donc, prenons-le, et on verra bien ce qui se passe, hein. J'ai envie de vous dire. De manière, on est un peu dans ce délire-là depuis le début, donc c'est parti, hein. C'est parti, mon kiki. Encore des méchants! Casse-toi! Oh là là, heureusement, je lui ai tiré dessus, lui. Il va me faire mal, je crois. Hein. Ah, poussez-vous. Éteignez-vous. Non, toi aussi, éteins-toi. Mais reviens. Hi. Voilà, je veux pas perdre mes chariots, moi. Que je garde au moins un chariot si jamais j'ai besoin de retourner en arrière. Je suis là, c'est cool, hein. Mais ça me sert à rien. Ouais, faut pas que je grimpe, ça sert à rien de grimper. Ah, mais par contre, je peux sauter. Ah. D'accord. Si je fais ça, ça fait quoi? Ça me permet de redescendre. J'ai pas besoin de descendre. Ok. Et bah voilà, je crois qu'on a trouvé comment aller au troisième étage, là, aller vers l'avant-dernier gong, du coup, parce qu'il m'en reste un au rez-de-chaussée. On verra bien s'il est compliqué à choper ou pas, celui au rez-de-chaussée. Par contre, c'est cool, hein, tout ça, mais... Et comment je vais réussir à tirer dans ce gong, là? Il faut que je fasse des catapultes, comme ça, là. Ah, il y a un coffre. Ça fait des plateformes. Non, c'est pas un coffre, c'est un ça là. Ok, hein. Ah, salut le méchant.
Au revoir le méchant. Oh non, j'ai cru il allait tomber, il est pas tombé. J'ai un peu le seum. Je vais casser mon épée rouillée. C'est pas vraiment ce que je voulais faire à la base. Mais bon, c'est pas grave, tant pis. Où est-ce que je me trouve? Là, si je prends le rail, ça me permettrait de tourner autour de ça. Je n'ai aucune idée de quoi ça me servirait en fait. Bon, je vais prendre le rail là-bas et on va voir ce que ça donne. Parce que pour l'instant, je sais pas vraiment. Tu vas l'ouvrir là ou pas du tout? Ah non, il est pas ouvert du coup. Pourquoi il est pas ouvert? Je sais pas pourquoi, je le sens pas vraiment. Cette histoire là. Là, ça me fait monter. Là, j'ai deux rails différents. Alors, on va savoir pourquoi. Ah si, parce que ça me fait soit tourner plus loin là-bas pour aller à un autre endroit. Ou alors, ça me ramène là. Oh, attendez. Là, il y a un gros caillou, là. Ici, il y a un gros caillou. Je peux pas l'atteindre, le gros caillou, là. Qu'est-ce que... Comment je suis censé faire? On va essayer comme ça. Si je prends ça. Ah, mais c'est peut-être pour ça que je pouvais faire... Que je pouvais avoir des blocs, attendez. Parce que là, je voulais le faire avec le... Avec mon chariot, mais je n'ai pas peut-être pas plus besoin que ça. Oh, oh. Ok, bon, moi j'ai fait avec un chariot, mais j'imagine qu'il fallait le faire avec des pierres. Mettre l'eau sur la lave pour récupérer des pierres, et puis... Il n'en reste plus qu'un. Pour pouvoir tirer dessus, quoi. Il n'en reste plus qu'un. Alors que j'ai vu, hein. Mais il y a des choses qui m'intriguent. Comme par exemple, pourquoi est-ce que je ne peux pas casser ça? Est-ce que je peux me rendre là-bas? Parce que j'ai pas vu de truc pour changer de route. Il me semble pas, hein. On va refaire un petit tour pour voir. Ouais. Est-ce que pour un... Avec un petit système... avec une idée à la con que j'ai... Alors, c'est vraiment une idée à la con, hein, pour tout vous dire. Si je fais... Viens là! Ok. Et maintenant... Maintenant, j'aimerais bien te mettre sur ce rail. Oh! Attendez, ça marche vraiment? Ok, vas-y, c'est parti. Vas-y, mon ref. Fais-moi plaisir. Ah, tu m'as pas fait plaisir, là. Ah, ça fait pas plaisir du tout. Parce que c'est pas ça que je voulais, moi. À la base, de tout à la base. C'est pas vraiment ça hein, que je voulais, moi. J'ai l'impression que ça... Oh, le con. Oh, le con, j'ai sauté dans le vide. Je suis retourné au premier étage. Oh, oh le débilos. Oh là là. Oh, j'ai le seum. J'ai le seum parce que je suis quasiment certain qu'en plus, c'était par là-bas qu'il fallait passer. Bah du coup on va essayer d'y retourner, hein, tant pis, hein, j'ai un petit peu le seum, mais c'est pas grave. Ok, me voilà, enfin, revenu à cet endroit de malheur. Et on va retenter ma petite bêtise, parce que je me dis que ça peut passer. C'est peut-être une idée à la con, mais j'ai envie d'essayer. Non, 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 flûte. Flûte, hein. Oh là là. Il va pouvoir monter, là, Link. Non, il a pas voulu monter. Oh, non, je suis où? Je suis dans la mouise. Ah, non, attendez, je suis peut-être pas dans la mouise. Voilà.
Bon, j'y arrive pas comme ça. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché comme ça. Eh, hey, par contre, attendez, j'ai une idée. Hop, si je prends ça. Ouais, bon, le chariot avec était pas. Peut-être pas voulu, mais. Si je fais comme ça. Que je fais. Un espèce de. De pont comme ça là. Oh non, je suis tombé dans la lave! Mais j'ai réussi à placer mon truc. Parfait. Parfait. Oh oh! J'ai réussi à me mettre sur l'autre trail. Wouhou! Ok, bon. J'espère que c'est vraiment intéressant là-bas. Hein, parce que je me suis quand même fait chier à revenir jusque-là. Pour réussir à emprunter ce rail-là. Hein. Donc il y a intérêt que ça en vaut la peine. Hein. Là, ça me fait remonter. Là, je tombe dans le vide. Et je me suis explosé le crâne. On va retourner au rez-de-chaussée. Peut-être que c'est qu'il faut juste partir du... Enfin, 1, 2, 3. Peut-être que je vais trouver mon chemin à partir du rez-de-chaussée. Là, on est retourné au rez-de-chaussée. L'endroit où je veux me rendre se trouve dans cette direction. Bon, en plus, pour l'instant, j'ai un... Pour l'instant, c'est grande ouverte. Ah ouais, mais là, vous voyez. C'était beaucoup trop simple. C'était beaucoup trop facile si ça aurait été ça. Du coup, faut vraiment... Enfin, à mon avis, faut vraiment que j'arrive à atteindre le niveau du quatrième là-bas. Hein. Bon, bah écoutez, on va essayer d'y retourner. Hein. Oh là là, cette perte de temps. Et moi, je suis en train de me dire... je vais me faire un pont, en fait. Pourquoi est-ce que je me prends la tête? Je vais juste simplement me faire un pont. J'ai de quoi faire des cailloux illimités. Pourquoi est-ce que je me prends la tête à faire je sais pas quoi avec des chariots? Regardez. Je vais me faire un pont et puis voilà. Je vais pouvoir me rendre de l'autre côté. Peut-être que ça serait suffisant. J'ai peur que... Le problème, c'est que je peux pas aller jusqu'à là-bas. Attendez, viens là, toi. Hop, je te pose là. Parce qu'il faut pas que je tombe en même temps, en fait. Viens là. Viens là. Le pont. Viens là. Dommage que j'ai pas un endroit, un emplacement où je pourrais le coller, en fait. Là, il coince mon pont. J'ai comme l'impression que c'est pas comme ça. Hein. C'est extrêmement compliqué à diriger. Et ça veut pas. Hein. Je crois que ça fait en sorte qu'on puisse pas faire ça. Hein. Ah, j'y ai tellement cru, moi. Oh! Oh, oh, oh! Regardez! Regardez, regardez! Alors là, je suis encore moins sûr que ce soit la manière officielle, mais... Je crois que j'ai bien triché, hein. Je crois que j'ai bien triché au jeu. Mais en même temps, tant pis, hein. Ah, mais je vais avoir un problème, c'est que lui, il va pas vouloir me suivre. Non! Non, 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 pas encore, pas encore, pas encore! Non, j'en ai marre de tomber dans ce sanctuaire. Oh là là. Je suis où? Au secours, en fait. J'avais fait un pont. Oh, j'espère qu'il va pas disparaître, mon pont. Viens là, monsieur Yoon. On va. On va, on va, on va. T'es où? T'es là? Viens plus par là, là, en fait. Je vais te placer de manière à ce que je puisse te récupérer une fois de l'autre côté. Ok.
Monsieur Yoon. Bon. Bon, bon, bon. Pour l'instant, il y a un problème. Déjà, Monsieur Yoon n'est plus là. Ne vous inquiétez pas, on va régler ce problème. C'est bon, il est revenu. On va régler le problème. On va juste faire en sorte d'agrandir notre pont. Bon, Monsieur Yoon. Ça monte. Ça monte. Ça monte. On va jusque là. Et kaboum. Voilà. Voilà. Eh mais c'était vraiment ça hein, qu'il fallait faire. Ah non, il y a encore un truc à l'étage. Est-ce que je peux monter hein, comme ça? Ouais, je peux monter. On va voir ce qu'il y avait à l'étage. Peut-être qu'il y avait que je vais trouver la manière officielle de monter. Ah oui, en fait, je pouvais monter cher facilement. Ah bah oui. Dans la configuration où il était tout à l'heure, je montais jusque là, en fait. Sauf que là, au lieu de sauter par là-bas derrière, bah, j'aurais pu sauter comme ça. Ah non, en fait, oui, j'aurais dû passer comme ça, en gros. Bon, c'est pas grave. J'ai réussi. C'est le principal. Normalement, je vais pouvoir arriver vers le dernier gong. Et ça, ça fait plaisir. Ça fait très bien plaisir. L'âme de sergent. Oh lolo. Monsieur Yoon, viens. Et fais-moi sonner ce dernier gong. J'ai dit, fais-moi sonner ce dernier gong. Bim. Ah, c'est ça qu'on veut. Uch. Et la porte est maintenant ouverte. On a ouvert tous les cadenas. Ouais. La porte devrait s'ouvrir maintenant. Allez, on y va. Eh bah si mère. C'est parti, on y va. Ok. Je suis pas si mal. C'est celle-là que j'avais. C'est celle-là que j'avais. Très bien. C'est juste niveau bouffe pour remonter ma vie que j'en ai très peu. Mais c'est pas grave, on va faire avec. Parce que là, à tous les coups, on va tomber sur un boss. Hein. Ça c'est indéniable. C'est pour ça que j'ai un peu peur pour la durée de cette vidéo. Mais bon, c'est pas grave. La porte s'est ouverte. Vite, il faut qu'on brise ces roches rouges et qu'on aille sauver Dame Zelda. Ok. En vrai, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Et qu'on fera le boss du coup dans l'épisode prochain. Je pense que c'est bien parce que sinon l'épisode va être beaucoup trop long pour vous. Donc on va s'arrêter là. J'espère en tout cas que l'épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à mettre un petit pouce en l'air, vous abonner et activer la cloche. Et puis nous, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Merci tout le monde.